Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Avec ce soir chez vous, Claude Sarraute, Elsa Fayer, Stevie Boulet, Perry Cochard, Christophe Alévèque et Jean-Bernard Hébé. Christophe, c'est la fête. Vous n'êtes pas tenté par la coiffure de Stevie, mais est-ce que c'est une coiffure ou c'est parce que vous n'avez pas eu le temps de vous coiffer? Ça veut non, dire quoi, ça? Franchement, j'ai pas eu le temps. Si tu veux, j'ai des épis et ça a commencé à me prendre la tête, donc j'ai mis des épingles. Ah, ça vous prend la tête, enfin, c'est j'ai sûr. J'ai mis ma petite Sophie, même. Il n'y a pas de doute, hein. C'est un style. C'est un style. Mais bien sûr. Moi, j'aime beaucoup, en tout c'est cas. C'est pas la première fois. Ah bon? Je signale. Ah non, il le fait de temps en temps. Tu me regardes pas. Tu vois, tu me regardes pas. Pourtant, la dernière fois, tu m'as dit que j'étais très mignon comme ça. Comme ça, là, avec des oui, trucs dans les cheveux, l'année dernière, c'était l'année dernière. Là, mais avec des bigoudis, je vous ai pris pour une autre. Il arrête pas de te faire des scènes de ménage, c'est bizarre quand même. Mais oui, c'est assez curieux. Ah oui. Alors que, répétons-le, nous ne vivons pas ensemble. Hein. J'en suis témoin. Je suis en couple avec Christophe Alévèque. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Paris embouteillé, Paris bloqué, Paris emmerdé, faut bien le dire, à cause des cortèges officiels autour de la visite du numéro 1 chinois dans la capitale. Et dans Le Parisien, regardez ce qu'on nous dit ce matin. Évitez Paris aujourd'hui. Ça, c'est pratique pour aller bosser. Hein. Au moment où on veut nous faire travailler gratos le lundi de Pentecôte, ce serait quand même étonnant que les patrons nous donnent 4 jours aux Parisiens pour fêter le nouvel an chinois, quand même, non? Vous qui habitez près de Matignon, hein, vous devez être emmerdé en ce moment. Mais c'est le cauchemar. Ils ont tout bloqué. J'étais obligée de faire tout le tour de Paris pour venir ici. Et surtout qu'il y a des hélicoptères pour se déplacer. Attends. Non, mais pourquoi on s'en est venu chez moi. Hein? Il est venu à l'hôtel de ville, il a été invité par Delanoé. Oui. Vous êtes avec Bertrand Delanoé? On n'a pas des trucs aujourd'hui. Oui, mais pas moi, mais mon fils. Ah, votre Sophie, fils est avec Bertrand Delanoé. Ouais. C'est le jour non, des coming mais... out. Il travaille. Allez, racontez. Ah, le chinois. Une horreur. Je râle contre... D'abord, je le déteste. Et ensuite, ça fait 3 jours qu'on devient fou dans Paris. Alors, c'est vrai. Le mieux, nous dit-on, c'est de ne pas prendre sa voiture. Mais franchement, en faire autant pour célébrer une dictature chinoise, c'était déjà beaucoup. De là à imposer à tous les Parisiens la longue marche de Mao, c'est peut-être exagéré. Bravo. Et sur cette autre photo, regardez, publiée par France Soir, on voit le président Chirac attraper le bras du chef d'État chinois. Et si Monsieur Chirac rigole sur la photo, c'est parce qu'il ne sait pas encore qu'il y a peut-être des risques qu'il attrape la grippe du poulet. Et oui, heureusement qu'on nous a envoyé le boucher du Tibet, ça aurait été le volailler avec toutes les mains qu'il a serrées, je vous dis pas l'épidémie. Hein. Parce que c'est la grosse panique du moment. Je ne sais pas si vous avez vu les journaux ce matin, ils nous font peur hein, quand même. Grippe aviaire, oiseau de malheur, titre Libération. On voit aussi à la une du journal 20 minutes, l'Asie donne la chair de poule. Le Parisien s'interroge, faut-il avoir peur de la grippe du poulet? Bon, autant le dire, il ne faut quand même pas faire peur à tout le monde comme ça non plus. Pour l'instant, le seul poulet pris en grippe par Chirac, c'est... Sarkozy. Voilà. Alors le drame. Le drame, c'est que du poulet, on en mange beaucoup dans les cantines scolaires. D'ici à ce qu'on nous dise que pour éviter la contagion, les gosses vont devoir aller à l'école avec une écharpe sur la tête et un voile devant la bouche, on va beaucoup moins rigoler au Conseil des ministres dont on parlait aujourd'hui. Oh. Alors, ne paniquons pas nos téléspectateurs, hein. Ça ne s'attrape pas par l'homme, la grippe du poulet. Non, il y a un danger quand même, c'est si ce virus se mélange avec celui de la grippe qui attaque les humains. Il paraît qu'on peut mourir, nous, les humains, par millions. Moi, je venais d'arrêter le saumon pour le poulet. Exactement. Que je change. Ah non, mais c'est cauchemar. C'est quand même terrible. C'est un drame. Elsa. Il paraît que ça ne s'attrape pas en consommant cette volaille. Non. Ça ne s'attrape que si on inhale la fiente des poulets contaminés. D'où l'expression, et mon cul, c'est du poulet. On va consommer des pilules, hein, si ça continue. Des pilules. Moi, je disais ce matin, redevenir cannibale. Pourquoi en fait. Pas, tiens. Puisque tous les animaux sont contaminés, redevenons cannibales. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas tomber sur un cycliste. Allez, une autre photo, on change de sujet. Charles Pasqua, qu'on retrouve sur la liste... Non, poulet, toujours. Oui, c'est vrai, un ancien poulet. On le retrouve, monsieur Pasqua, sur la liste des personnalités françaises publiées par un journal irakien.
Pasqua aurait en effet reçu des barils de pétrole en cadeau de la part de Saddam Hussein. Je parle d'un cadeau. Et d'après Charles Pasqua, il s'agirait d'une manipulation des Américains. C'est comme ça qu'il se défend ce matin dans la presse. C'est sûr, ils pensent qu'à lui, les Américains. Charles Pasqua, ils ont que ça comme objectif. C'est d'ailleurs marrant parce que... C'est marrant parce que quand on nous a dit qu'il y avait des anciens ministres sur cette liste, nous aussi on a tout de suite pensé à lui. C'est curieux quand même. Hein. On ne sait pas ce que Pasqua a fait des 12 millions de barils de pétrole, c'est le chiffre qu'on nous avance, 12 millions de barils de pétrole qui lui auraient été offerts, mais avec toutes les casseroles qu'il a, il a dû pouvoir transvaser facilement. Tout le monde veut parler, là. Moi, je vois, tu reçois même pas 12 millions, mais un ou deux barils. Qu'est-ce que tu en fais? Tu les mets où? Tu les échanges. Mais tu les revends dans un pays qui en a besoin, et paf, le pognon dans les poches. 12 millions de barils, c'est beaucoup. En fait, ils vous donnent un papier. Les barils, on les voit jamais. Ils vous donnent un papier comme vous quoi vous avez le droit. Ils vous donneraient un papier. Parce que, Monsieur Pasqua est présumé innocent. Justement, un homme qui a souvent dit « Joyeuse Pasqua » sur le balcon du Vatican, Jean-Paul II, le pape. Il y a sa photo ce matin dans le Parisien à l'occasion de la sortie d'un livre publié aux éditions du Rocher, un livre qui recueille 800 de ses pensées, prières et méditations. On espère que le pape ne l'a pas écrit à la main parce qu'on n'est pas sûr qu'il y aurait toutes les phrases en entier sur toutes les pages. Pour avoir le complément, il va falloir acheter le dessus de table de son bureau du Vatican. Un peu de sport pour changer avec tout d'abord cette photo de Roger Lemaire à la une de l'Équipe. Monsieur Lemaire, ex-sélectionneur, a retrouvé le sourire. Alors là, je voudrais bien qu'il nous montre une photo quand il fait la gueule parce qu'on voit pas bien la différence. Hein. Franchement. Et alors j'ai vérifié même dans les pages intérieures, photo à l'appui, l'Équipe confirme, Lemaire se marre. Ah bah oui, vraiment, alors c'est... Ça... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au journal L'Équipe, c'est celui qui s'occupe des photos qui est un sacré rigolo, alors. Une autre photo sportive, celle des handballeurs français qui, hier, ont battu la Hongrie 29-21 en phase finale de l'Euro 2004. Mais ma question, quand on regarde les titres de François, regardez bien, attention, hein. Et puis après, regardez le titre du Parisien. Voyez-vous la différence? Il y a un nœud en trop. Alors, qui a raison? Le Parisien ou François? La France proche des demi sans E ou les demi en ligne de mire avec un E? Ben, ils parlent pas de la même chose. Parce que là, la France proche des demi, c'est des demi-finales. Et puis là, les mecs veulent arroser leur truc proche des demi. C'est la bière. Mais non, c'est pas la réponse, moi, en fait. Mais pourquoi ils ont pas écrit tout de suite la France sans doute éliminée? Voilà. D'ailleurs, en tennis, Amélie Mauresmo et Sébastien Grosjean, eux, n'ont pas eu besoin de chercher comment on écrivait demi-finale, puisqu'ils ont abandonné avant la fin des quarts. La plus heureuse, finalement, des tennis women, c'est Anna Kournikova, qui regardait dans Gala, Kournikote toujours autour d'Enrique Iglesias. Comme quoi, le chanteur s'est peut-être fait enlever le poireau, mais il lui reste une courge. C'est vrai qu'il s'est fait enlever son poireau. Hein. Ah ouais, j'aime bien, moi, sans... Sans poireau. Ouais, mais il aurait dû assumer le poireau, quand même. C'est assez décevant. Bah, tout ça, à notre époque, les mecs assumaient leur poireau, c'est de plus en plus difficile. Hein. Non, mais... Il paraît qu'ils ont enregistré leur nuit d'amour. Ah bon? Ouais. Non. Et une autre photo avec cette une incroyable du journal Le Parisien ce matin. On n'avait jamais vu ça. C'est la première fois qu'on voit une critique cinéma autant affichée à la une d'un journal. Le Parisien, titre nul à propos du nouveau film d'Alain Chabat avec les Robins des Bois. Le film est donc peut-être préhistorique, mais la critique, elle, sera historique. On n'a jamais vu ça, franchement, Jean-Bernard. Moi, je trouve que c'est de tels partis pris que je sais pas, c'est limite diffamatoire. Moi, je n'ai pas vu le film, mais ils sont libres de leur opinion, bien entendu. C'est même plutôt une marque d'indépendance de la presse par rapport aux émissions de télé où tout le monde dit que le film est formidable. Bah, d'un seul coup, bah, Le Parisien s'affirme en disant on vous ment, quoi. Mais là, c'est un vrai coup de gueule. En tout cas, proposer aux spectateurs de faire Chabat un mercredi au lieu du vendredi, c'est un vrai signe ostentatoire d'indépendance au culte de la personnalité. En fait, ce qui manque à ce film, c'était une vraie affiche. Je vais vous le dire, celle-là, par exemple, ça aurait été mieux. Raf, raf. C'est dire aussi que quitte à aller voir un type à poil se balader dans une grotte avec un gros gourdin, autant aller voir Rocco Siffredi dans le film de Catherine Breillat, Anatomie de l'enfer. Et là, ils y vont encore très fort, Le Parisien, parce que Pierre Vavasseur, le critique, titre « Ce film nous prend pour des cons ». Alors là, non, ça, là, c'est une erreur, c'est Catherine Breillat qui les filme, c'est pas pareil.
Pour terminer, continuez quand même sur le cinéma, une note de bonne humeur avec quand même une bonne nouvelle, il faut le dire. On a retrouvé la trace de Philippe Séguin. Il paraît que c'est lui qui était à l'affiche du dernier film de Walt Disney. Dimanche dernier, un chauffeur du service de protection des hautes personnalités a hélas percuté et blessé deux jeunes filles alors qu'il se rendait à l'aéroport. La voiture ne transportait aucune personnalité et ne se trouvait pas, au moment de l'accident en tout cas, en mission de sécurité ou en mission d'escorte. Dès lors, rien, évidemment, ne justifiait cette conduite irresponsable qui a mis gravement en danger la vie de deux personnes. Cet accident relance une fois de plus le débat sur le non-respect du code de la route par les chauffeurs des personnalités politiques. Pour parler de ce sujet, nous allons tout de suite tester ensemble le président du syndicat Alliance Police, qui a un mot à dire là-dessus. Voici monsieur Jean-Claude Garnier. Voilà. C'est intéressant de regarder tout de suite ce titre du journal Le Monde, parce qu'en fonction des journaux, on a différentes versions. Sur une radio, j'ai même entendu dire un chauffeur de VIP a renversé deux jeunes filles qui traversaient en dehors des clous. En gros, elles étaient responsables. Alors là, on a plein de versions différentes en fonction de la presse sur cette affaire qui, heureusement, ne se termine pas trop tragiquement. Ouais. Je crois qu'une des deux est déjà rentrée chez elle. Tant mieux, prompt rétablissement. Et l'autre est en voie de rétablissement. Mais quand même, on se dit qu'il y a un peu d'abus dans l'air. D'autant que si on se souvient des déclarations du président de la République, M. Chirac, lors de sa réélection, je crois même déjà en 95, il avait dit plus de passe-droit, nous ferons conduire, parce qu'ils ne conduisent pas, comme tout le monde. Alors, où on en est? Parce que ça relance un peu le débat. Bah, sur l'affaire elle-même, je dirais simplement que moins on en sait, plus on en parle. Hein. C'est d'ailleurs ce qui se passe un petit peu dans beaucoup d'articles de presse. Donc, les choses ne se sont pas tout à fait passées de cette manière-là. Ça, c'est le premier point. Quant au reste, c'est de l'utopie de penser que les ministres ou chefs d'État ou premiers ministres vont pouvoir respecter le code de la route. Regardez simplement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on va me dire qu'ils sont responsables des choses, c'est vrai. Mais comment voulez-vous qu'ils puissent se rendre d'un endroit à un autre dans les circonstances de la circulation parisienne aujourd'hui? Oui. Donc, il faut arrêter. Donc, à prendre le métro. Exactement. C'est vrai, c'est exactement. Vrai. C'est un peu utopique. Ça, ils pourraient tester leur popularité. Non. Alors, c'est à eux qu'il faut le dire. D'abord, sur cette affaire-là elle-même, revenons un moment là-dessus. C'est vrai que ce chauffeur, apparemment, devait se rendre à l'aéroport de Villacoublay pour accueillir un avion qui ramenait en fait des accompagnateurs de M. Raffarin. Mais en tout cas, lui ne devait pas prendre M. Raffarin dans sa voiture. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a deux types de missions. Il y a les missions effectivement de sécurité où il y a la personnalité qui est avec. Et vous avez ce qu'on appelle des missions de liaison. C'est-à-dire que des voitures doivent se rendre pour récupérer des personnes qui accompagnent le chef de cabinet, directeur de cabinet, membre des cabinets. La femme du ministre, le chien du ministre. Il y a tous ceux qui les accompagnent. Les maîtresses du ministre. Voilà. Les maîtresses, les pourquoi une pourquoi une les maîtres. Non, mais donc qui sont chargés de ramener ces gens-là également en au tout ministère. Cas, et qui ne sont pas spécialement le chauffeur de M. Raffarin. Là, en l'occurrence, il n'était pas le chauffeur de la voiture du ministre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est allé si vite? Je crois qu'il y avait un petit embouteillage sur le quai en question. Et donc il est allé dans la file à contresens. Et c'est là qu'il n'a pas vu les jeunes filles qui traversaient. C'est vrai, en dehors des clous, mais enfin bon. Et entre les voitures. Ensuite, quand il est arrivé là, il a effectivement commis une faute, c'est-à-dire qu'il n'avait pas, comme il est en mission de liaison, il n'avait pas forcément le droit de transgresser le code de la route. Hein. Il y avait une sirène. Oui, il y avait un gyrophare. Bien sûr. Il avait le gyrophare. C'est ça, mais bien sûr. Ah, donc on bien raconte sûr. N'importe ah bah quoi. N'importe mais quoi. Je vous dis, moins on en sait, mieux plus on en parle. Racontez-nous, vous qui savez. Non, mais sur l'affaire en elle-même. Il y a des fois plein de policiers qui mettent un gyrophare pour aller boire un coup. C'est vrai, regardez, je vais avoir du mal à le faire tenir. Par contre, bon, il a pris, effectivement, il a fait demi-tour, il a pris le couloir de bus à contresens, et à ce moment-là, les gamines. Alors, il venait de le faire. Alors là aussi, il y en a qui ont prétendu qu'il roulait à deux. Il a dégommé comme un jeu de quilles, quand même. Hein. Ben évidemment, elles ont traversé, il est arrivé, il les a mais pas mais s'il n'y avait pas d'urgence, puisque vous nous avez dit qu'il n'y avait pas d'urgence, c'est justement pourquoi ce gyrophare, pourquoi à contresens, pourquoi c'est tout ça. C'est ce point particulier que je voudrais justement aborder, parce que dire qu'il n'y a pas d'urgence, c'est facile à dire, parce que le jour où les personnalités attendent, qui font le pied de grue, alors que le ministre, enfin là en l'occurrence, le ministre ou la personnalité en question est partie, et puis que le chauffeur arrive en retard, je peux vous assurer qu'ils vont en entendre une sacrée. Hein. Ce que vous dites en gros, c'est que les chauffeurs de personnalités politiques, et peut-être autres aussi, mais en tout cas essentiellement politiques,
sont obligés d'aller vite parce qu'autrement ils sont engueulés par le politique qui va arriver en retard à un endroit ou qui va devoir attendre parce que sa voiture n'est pas là au moment où il descend de l'avion, c'est ça. Très sincèrement que c'est pas forcément par la personnalité, souvent même d'ailleurs qui est relativement sympa, qu'ils sont engueulés, mais c'est souvent par l'entourage qui est beaucoup plus sévère. Oui, ben ça, qui est beaucoup plus sévère souvent de fois que la personnalité elle-même. Moi j'ai une proposition à faire. Pourquoi ? Parce que ce monsieur va être sanctionné, on va lui retirer des points sur son permis, il va peut-être avoir homicide, enfin pas homicide, mais accident involontaire, enfin je sais pas, il va être poursuivi. Il y a une procédure de justice. Comme si c'était un chauffeur ou un chauffard normal, lambda. Bien, enfin, bien en entendu. Général, les punitions dans la police, il va recopier 10 fois « je ne dois pas renverser de jeune fille ». Moi, c'est à condition de savoir écrire. Parce que c'est pas, vous savez bien que, comme disait Coluche, hein, pour rentrer dans la police, il ne faut pas forcément savoir écrire. J'ai une suggestion à faire. Pourquoi est-ce qu'on ne retirerait pas les points, par exemple, au ministre plutôt qu'à son chauffeur ? Ou pourquoi on ne ferait pas la sanction sur le ministre plutôt que sur le chauffeur ? Mais il ne conduit plus le ministre. Écoutez, cher ami, moi je trouve cette histoire mais scandaleuse. Mais pour qui se prennent ces gens ? Je ne parle même pas des conseillers qui entouraient Raffarin, mais de l'entourage. L'entourage, mais ils se prennent pour des demi-dieux. Tout est permis. Il ne faut pas qu'ils attendent un quart de seconde au pied de la passerelle à Villacoublay. Mais c'est monstrueux. C'est comme c'est ça. C'est monstrueux. Pour qui c'est ça qui doit changer. Non, mais vous dites que c'est comme ça. C'est leur comportement. Moi, je ne suis ni homme politique. C'est pas moi donc qui fait la loi. Je ne suis qu'un exécutant qui vient expliquer les choses telles qu'elles se sont passées et la manière dont nos collègues travaillent dans ces services-là. Monsieur, vous sous-entendez que la situation est grave, qu'ils vont se faire engueuler, limite virer. Est-ce que vous avez des exemples, est-ce que vous avez des noms à nous donner de chauffeurs qui se sont fait virer de leur job parce qu'ils sont arrivés en retard à un rendez-vous pour chercher un ministre ou accompagner quelqu'un au pied d'une passerelle d'avion ? S'il le dit, il va se faire virer. Si tu veux, c'est des choses. Non, vous n'allez pas vous faire dire. Je suis syndicaliste et je peux me permettre de dire ce que j'ai envie de dire. Ben voilà, justement, c'est pour ça. Profitez-en. Allez-y. Il y en a des dizaines, madame. Il y en a des dizaines qui se sont fait attraper parce qu'ils n'étaient pas à l'heure ou qu'ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Vous savez, comme disait madame, vous avez affaire parfois à des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne devraient pas être, c'est tout. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je le constate, je le déplore comme vous, mais c'est à fait. Mais manifestez, tout le monde manifeste aujourd'hui. Allez-y. Les policiers sont descendus dans la rue en 2000. Ah, si, bien sûr. Si. Ouais, bien sûr. Manifestation, oui, droit de grève, non. Christophe, ça devient plus dur. Hein. En ce moment, vraiment, c'est haro sur l'automobiliste. L'automobiliste, alors si en plus t'es automobiliste et que tu fumes, alors là, c'est une catastrophe. Mais il faut les piétons. Moi qui roule dans Paris quand même régulièrement, les piétons sont à plein, sans compter les crétins en roller, les andouilles en patinette et les cinglés en vélo. Ils prennent leur voiture aussi, les piétons. Et ma coupe. Bien, oui, il a raison. Frédéric Dard disait, un piéton, c'est un type qui va chercher sa voiture, hein, vous savez. Ben oui, mais moi, je me mets du côté de l'automobiliste. D'accord. Souvent, t'as des mecs, c'est des poules. C'est-à-dire qu'ils attendent que la voiture arrive et... Ils traversent. Ils jettent sous tes roues. Mais t'as l'impression qu'il y en a certains, etc. Et que fait la police? Mais c'est vrai. On les... Mais c'est vrai, c'est vachement dangereux. La poule traverse et le poulet reste sur le trottoir sans rien dire. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas verbaliser les piétons ? Mais ils sont verbalisés. Existe, bien sûr. Mais j'ai jamais vu un piéton verbalisé. Ça existe, bien sûr. C'est ça très rare quand même. Si on travaille en dehors des passages. C'est rare aussi de faire des conneries. On met des sabots aux voitures, pourquoi on mettrait pas des chaînes aux piétons à ce moment-là ? Non, mais je suis désolée. C'est vrai. Quand une personne qui, même si sur les clous, qui au dernier moment va sur les clous, moi ça m'est arrivé. Alors, c'était une mamie. Voilà, et toujours. Moi, j'entends que ça. Alors, tu te grouilles, la petite. Non, attends. C'est pas ce que je voulais dire. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas... Attends. Et elle sort donc, de derrière un camion. Mais vous l'avez eu ou pas? Absolument. Et, bon, je l'ai eu. Mais... il avait... Non, mais attends. Il a légèrement plu. Mais c'est au dernier moment. T'as un mètre. Mais... Qu'est-ce que tu fais? Tu piles. Chut. Ping. Ah. Et là, dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu dis quoi? Pardon, t'es responsable? T'es... Mais évidemment, je suis allé, je l'ai ramené, je l'avais emmené au zoo. Mais si. Moi, j'ai juste une dernière question, je viens de m'apercevoir. Donc, vous êtes cofondateur du syndicat national Alliance Police, c'est pourquoi vous êtes notre invité. Vous avez 22 ans de carrière aux renseignements généraux, donc il doit savoir des trucs sur nous, ce monsieur-là. Oh là là, vous avez des dossiers sur nous? Non. Non.
Très bien, on vous remercie. Aujourd'hui, sort ce livre, Ils ont changé ma chanson, aux éditions Stock. Un livre écrit par Corinne Rousset. À travers la vie frénétique d'une attachée de presse, l'auteur nous livre sans concession les morses et l'ambiance et les motivations d'une multinationale du disque. Elle le fait non sans une certaine légitimité, puisque cette femme, Corinne Rousset, a travaillé chez l'une des plus grandes majors, une des grandes firmes du disque. En fait, cet ouvrage ressemble de près à un roman autobiographique, et si c'est le cas, cela confirme que Universal n'est pas toujours un univers très propre. On va en parler évidemment avec l'auteur tout de suite. Elle publie « Ils ont changé ma chanson ». Voici Corinne Rousset. C'est vraiment un pavé dans la mare. Je ne sais pas si vos collègues de travail, quand ils auront... vous avez eu des réactions déjà, mais quand ils vont lire ça, d'abord, ils vont forcément se reconnaître certains, certaines chanteuses aussi. Moi, je crois que j'en ai reconnu une. Franchement, mais alors justement, ça ne va pas, ça va pas leur faire plaisir. Justement, c'est drôle ce que vous dites, parce que pour l'instant, les premières réactions que j'ai, c'est « Ah, j'ai reconnu un tel » ou « Là, je me suis sentie particulièrement visée ». À chaque fois, les gens sont à côté de la plaque. C'est vrai? Oui, mais parce que chaque personnage, je l'ai vraiment construit en dosant vraiment ça. C'est pas Zazie, la chanteuse. Les personnes. Ah, ça, je vous laisse libre de l'interprétation. Une chanteuse enceinte. Mais il y en a beaucoup qui ont vu d'autres personnages. Ouais, ouais, tiens, tu rigoles. Zazie, tu veux te la faire, Lille Bouquin? Je vous laisserai ça. Là, au moins, vous pouvez me répondre sans conséquence sur ce que vous avez écrit. Est-ce que vous avez travaillé avec Zazie dans cette maison de disques? Moi, je travaille avec tout le monde, pas spécialement Zazie. Est-ce que vous avez travaillé avec Zazie, oui ou non? Mais avec énormément d'autres. Avec Zazie, oui ou non? Si ça vous fait plaisir. Ah non, je veux savoir. Non. Juste, c'est, là, il n'y a, oui, a pas 36 000 réponses, c'est oui ou non. Est-ce bien sûr. Oui, voilà, parfait. Perry Cochin, vous l'avez lu? Oui, bien sûr. Alors, je comprends qu'on veuille faire une couverture un petit peu choquante ou un petit peu dérangeante, mais à ce point-là... Il faut préciser parce que les téléspectateurs ne voient pas très bien. Ah oui, alors ce sont des mouches qui sont posées sur une main et c'est carrément rédhibitoire. Donc pour le lire, j'ai déjà mis... Une main posée elle-même sur un casque pour écouter de la musique. Mais c'est normal, t'écoutes de la merde, les mouches viennent dessus. J'entends bien, mais... Et voilà. J'ai carrément pas envie de le prendre sur l'étagère, j'ai pas envie de le retirer de la librairie. Mais alors, par contre, il y a un truc qui m'a... Entre autres, il y a plein de choses que vous balancez, bien fort, bien... je me gêne pas pour y aller. Et vous dites à un moment... que Alex, un des protagonistes, dit qu'il a tout balancé dans l'incinérateur. Il paraît qu'on ne reçoit que des merdes de toute façon. Il s'agit là, bien sûr, des maquettes. Alors tout ça est inspiré de la réalité, oui ou non? Évidemment, c'est grave. Ça veut dire que ça ne sert plus à rien que les jeunes qui croient encore en la chanson, qui font des maquettes, qui les envoient en croyant que c'est possible, c'est plus la peine. Il faut leur dire clairement, arrêtez tout, c'est fabriqué complètement en dehors de ce circuit-là, et vous n'avez aucune chance d'y arriver. Effectivement, je voulais décrire aussi un aspect dont on ne parle pas vraiment, c'est-à-dire que finalement, on arrive au bout de course, et puis le système tel qu'on l'a connu ne marche plus. Je décris un âge d'or qui n'existe plus aujourd'hui, qui est en train de s'éteindre. En même temps, vous parlez aussi de personnes réelles, parce que sur son patron, feignant professionnel, alcoolique mondain et vétéran de la pire espèce échappée du faste des années Barclay. Alors c'est déjà, pas mon patron dans le... C'est pas le patron de l'héroïne dans le roman. Je sais pas si vous avez lu le livre, mais c'est un personnage. Non, mais quand on lit ça, on vise quand même tout de suite Pascal Nègre. Vous êtes complètement à côté de la plaque, parce que c'est pas du tout... Beaucoup de monde est à la même plaque que moi, alors c'est bizarre quand même. Il y a encore autre chose. D'autre part, dans un chapitre suivant, j'en parle avec une immense tendresse de ce personnage-là. Mais oui, mais c'est peut-être... Mais c'est la vie, il y a des gens... Quand même il y a des gens qui ont... Enfin, c'est pas... alcoolique mondain, c'est pas méchant. Hein. Oui. On l'est tous un peu. Dire que quelqu'un est alcoolique, ça fait pas forcément plaisir. En tout cas, il faut y aller. Et aussi, vous racontez, je passe les moments que moi j'ai vraiment aimés. En même temps, c'est amusant à lire. C'est vrai que quand on fait un livre comme ça, on va se jeter dessus pour pouvoir le lire. Donc c'est très bien. C'est bien de le dire quand même. C'est bien. C'est le but. Voilà. Et puis, sur un bilan, alors on vous propose de faire un séminaire sur l'île de Malte. Et alors là, je vous cite, on avait pourtant battu le record des consommations au bar durant ces 3 jours. La facture s'élevait à 77 000 euros. Attendez, c'est énorme. Donc, pendant les séminaires de cette maison de disques, vous passez, donc Universal par conséquent, vous passez le temps au bar à boire pour 77 000 euros. Ça fait beaucoup, ouais, je suis assez d'accord avec vous. Jean-Bernard, qui connaît un peu ce milieu du disque, est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que ça vous a amusé? Alors, j'ai appris des choses et ça m'a amusé. Quand elle commence à décrire vraiment le milieu, non seulement
de l'industrie phonographique, mais de ses attouchements, ses accouchements avec la radio et la télé et le monde de l'argent, alors là, c'est passionnant. Et contrairement à ce qu'elle dit, c'est exactement comme ça que ça se passe. Il faut que tous ceux qui veulent faire de la musique achètent ce bouquin pour savoir en face de qui ils vont se trouver. Effectivement, il n'y a que des gens qui vivent avec l'argent des maisons de disques, les notes de frais, les 77 000, les bars gratuits, les voyages et tout ça. Ils ont tous des vies misérables et ils sont payés des salaires absolument ridicules en général. Mais par contre, ils vivent comme des princes toutes les nuits dans des boîtes de nuit mondaines avec des people et tout. Tout le monde couche avec tout le monde se défonce la gueule, tout le monde pense qu'il est une énorme star et ça donne, au bout du compte, une musique absolument épouvantable, qui est celle que nous connaissons, avec les comédies musicales que l'on nous rabâche, les hit-parades. Donc, pour cela, il faut lire le livre. Pour l'histoire qu'elle raconte, personnelle, excusez-moi, je trouve que c'est assez banal. J'ai voulu vous raconter vraiment une grande fresque, à la fois drôle, à la fois sensible, à la fois dramatique. J'ai vraiment voulu raconter tout en bloc. Elle résume très bien au début, elle dit « Nous vivons une vie de pétasse de luxe ». C'est exactement ça, la vie des pétasses de luxe avec l'argent des autres, bien sûr, dans les maisons de disques. Christophe, Vous enfoncez quand même un petit peu des portes ouvertes dans le livre. Pour revenir à l'histoire des cassettes, c'est quelque chose que moi j'ai vécu, et il n'y a pas que dans le milieu de la musique. Quand vous commencez un spectacle, personne ne vient vous voir. Et les mecs te disent toujours, parce qu'ils ne se déplacent pas, ils ne peuvent pas se déplacer, ils sont sur leur table, ils se font tailler une pipe sous le bureau, ils ne peuvent pas bouger. Donc, ils te disent... finalement, comme milieu. Ben oui, alors ils te disent, envoyez une vidéo. T'envoies une vidéo, évidemment, personne ne la regarde. Et à un moment donné, on était tellement énervés qu'on a mis un film de cul sur toutes nos démonstrations, comme ça, on a envoyé. Et on a eu des mecs au téléphone qui nous ont dit « Oui, pas mal, hein, faut resserrer un peu les textes. » C'est génial. Ça, c'est génial. Voilà, et quand vous jouez, n'hésitez pas à nous réinviter. Et moi, j'ai vu aussi de mes yeux mais quelque chose qui est dramatique. Et c'est vrai qu'avec le livre, on se rend mieux compte de toute la dope qu'on écoute maintenant parce que c'est le résultat de tout ça. Quand vous envoyez une maquette, ou dans les radios, ou dans les maisons de disques, moi, je l'ai vu de mes yeux. La démonstration, c'est ça, s'ils sont prêts en régie. C'est-à-dire que tu as bossé pendant très longtemps pour faire 12 titres. Le mec ouvre la boîte, il écoute 8 secondes. 8 secondes, top chrono. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça. 8 secondes. Et ça, c'est Aznavour. Voilà. Mais on ne peut pas entendre Aznavour. On n'a pas dit qu'on n'aimait pas en même temps. Hein. 8 secondes. Du rendez-compte. Et après, on s'étonne d'écouter de la merde à longueur de temps à la radio. Il n'y a pas de la merde non plus. Non, il n'y en a pas non plus. Les seuls groupes intéressants, c'est les groupes qui ont des labels séparés. C'est les groupes indépendants qui font des concerts. Point. Johnny, alors, enfin, à votre avis, pourquoi ils quittent Universal? Alors là, je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Un éclair de génie. Mais je comprends pas. C'est à cause de Laetitia. Je pense qu'il était bien traité. Enfin, il paraît qu'ils sont en négociation. Finalement, il va peut-être rester. J'ai lu ça dans la presse. Enfin, des actes. Il était bien traité, c'est ça? C'est ce que vous avez dit? Ah oui. Oui, c'était. Rolls-Royce. C'était pas assez à ses yeux et il va obtenir une augmentation. Mais je connais pas tout, donc je peux pas m'exprimer. Enfin, quand vous dites quand même dans votre bouquin que ni la voix ni le talent ne sont des arguments pour réussir dans la chanson, pour ceux qui ont envie d'en faire, hein, vous êtes un peu mal. À mon avis, Johnny Hallyday. Mais pour les autres, c'est un bel espoir. Allez, Corinne Rousset, c'est chez Stock, ça va faire parler. Merci. À partir du 9 février, le collège Édouard Manet de Villeneuve-la-Garenne aura l'immense privilège d'accueillir dans ses locaux un policier, ou plutôt, comme on l'appelle, un policier référent, c'est son vrai nom. C'est le conseil d'administration de cet établissement scolaire qui a pris cette décision, malgré, il faut le dire, l'opposition des enseignants du lycée en question. Pour répondre au problème qu'il y avait là-bas, problème de violence qu'a rencontré l'école ces dernières semaines. Un policier à l'école, ça va évidemment être dur pour ce monsieur, disperser tous les manifestants après la récréation. Mais avant d'ouvrir ce vaste débat, Dan Bollander, un ancien spécialiste du bonnet d'âne, a testé pour nous sécuriser les écoles. Regardez cette caméra cachée, signée Marcel Bélanger. Bonjour, ici Dan Bollander, j'ai testé sécuriser les écoles. Demi-tour, droite. Une, deux,
Une, deux. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est quoi ça? Nous sommes là pour la sécurité de ce lycée. Ouais. Donc nous serons là donc tous les jours pour surveiller les entrées et les sorties des élèves. Ouais, c'est un lycée dangereux ça? C'est un lycée haute tension comme vous dites là, je crois pas. Non, tous les lycées peuvent être dangereux monsieur. L'armée va maintenant surveiller tous les établissements scolaires. Si on part dans ce truc là, on peut aller loin. C'est-à-dire que il n'y a jamais eu d'armes, mais rien du tout ici. Vous ramenez l'armée dans un lycée, mais c'est grave ce que vous faites là quand même. Quel est le problème? Non, aucun problème. Nous avons ordre de surveiller tous les établissements scolaires. Vous avez reçu l'ordre de mission? Bah non, on n'a pas reçu ça. C'est nouveau ça. C'est alors vous allez rester toute la journée Nous allons être là tous les jours pour surveiller les entrées et les sorties de l'établissement. Bon, allez-y mollo, hein, parce que l'ambiance est chaude. Ok, le dispositif est en place, les entrées. Vous allez laisser votre guérite, là, la nuit? La guérite va rester ici, oui, en permanence. De toute façon, il y aura un planton pour la surveiller. Tout seul? Oui. Vous savez qu'on est juste en face de la bande de Montrouge, là. Ça va pas durer longtemps. Hein. C'est le cha-cha-cha, de l'insécurité, le cha-cha-cha, de la panique organisée. Nous allons être là tous les jours pour surveiller l'établissement. On vous a dit qu'il y avait des problèmes ici? Il y a des problèmes dans tous les lycées, dans tous les établissements scolaires. Et là, vous allez rester combien de temps ici? Bah, tous les jours, nous serons là. Tous les jours? Tous les jours, monsieur. De 8h à 5h? Exactement, monsieur, pour pas qu'il y ait de problèmes à l'intérieur de l'établissement. Vous n'avez pas cours, monsieur, là? Non. Ah, parce que vous surveillez même si j'ai cours ou pas? Oh là là! Oh, le truc de ouf! Moi, j'ai fini à 3h, je peux me promener dans ma ville quand même! Non, parce que là, vous êtes en train de perturber l'entrée du lycée, vous voyez. Cet temps-ci, vous devriez être chez vous en train de réviser, peut-être. Carrément, vous me dites qu'il faut que je révise! Qu'est-ce qui est gênant? Bah, je sais pas, c'est plus pareil! Ah, moi, je rentre dès le matin, je vois un mec là, à sa place, là, comme ça, là, tous les matins, non, c'est relou! Ça donne pas envie d'aller à l'école! Depuis que nous sommes là, monsieur, vous vous sentez plus en sécurité? Non, franchement, avec vous, je ressens l'insécurité, là! C'est-à-dire? La police, chez nous, on n'aime pas trop ça, alors l'armée, encore moins, sérieusement! Nous sommes là pour votre surveillance, pour pas qu'il y ait de problème! Mais à 3, là, vous allez faire quoi, là? On va vous tendre des guettes, là, au sous-sol, bim, vite fait, bien fait, vous rentrez chez vous! Capitaine en carton! Par contre, quand il pleut, quand il neige, vous pouvez me ramener chez moi avec la voiture, là par contre ça serait un truc de bien. Pas des vraies réactions. Mais ils sont tellement drôles les mecs qui sont enfin les étudiants. Ah oui, c'est là, formidable. Alors, on va tout de suite savoir si évidemment notre invité est pour ou contre cette histoire de policier à l'école. J'ai déjà ma petite idée là-dessus. Accueillons un instituteur qui est aussi secrétaire général d'un syndicat enseignant, le SEUNSA, monsieur Luc Berry. Alors c'est le 9 février prochain que rentrera en fonction ce policier référent dans cet établissement scolaire de Villeneuve-la-Garenne, c'est dans les Hauts-de-Seine, et peut-être d'autres écoles suivront en fonction évidemment du bon ou mauvais résultat de cette expérience. Il y a quand même bien quelqu'un qui doit être pour, parce que depuis qu'on nous a annoncé cela, je lis dans la presse, et je ne vois que des témoignages de gens qui sont contre, c'est-à-dire que les enseignants de ce lycée sont contre, enfin c'est un collège, les enseignants de ce collège sont contre, les élèves sont contre, les fédérations de parents d'élèves sont contre. Mais alors, qui est pour? Qui a décidé de mettre ce policier dans ce collège? J'ai cru comprendre que c'est le ministre de l'Intérieur qui était d'abord pour. Non, mais arrêtez, c'est pas vrai. Bah, c'est à la demande de l'école. Il a donné une interview, il le disait lui-même. Il a dit c'est à la demande de l'établissement. Il y a eu un vote. Qui a pris la décision? On va le savoir précisément. Alors, qui a pris la décision? Le ministre de l'Intérieur l'a proposé. Effectivement, le conseil d'administration du collège l'a voté majoritairement, mais tous les représentants des enseignants à l'intérieur du conseil d'administration ont voté contre. Et la grande majorité des enseignants qui travaillent dans ce collège sont opposés à cette mesure. Alors, qui sont les personnes qui sont au sein d'un conseil d'administration qui a voté oui pour un flic dans cette école? Il y a des représentants des parents d'élèves, également d'autres représentants. L'intendant, le proviseur. Mais ça fait une majorité, ça? Ça fait effectivement une majorité. Mais c'est plus, important de savoir qui. Plus les représentants de la collectivité, en l'occurrence le maire, si mes souvenirs sont bons, qui est en même temps conseiller général. Donc voilà. Vous savez qu'on touche à quelque chose qui est extrêmement fondamental dans la République. Pendant des siècles, la police n'avait pas le droit de rentrer dans les églises et la police n'avait pas le droit de rentrer dans les universités et dans les écoles. Souvenez-vous, en mai 68, pourquoi les étudiants se réfugiaient dans la Sorbonne? Parce que la police n'avait pas le droit de rentrer dans la Sorbonne. Oh, on sent bien un ancien 68-art, là. Ben oui, on allait se planquer là. Ben, remarque, on avait quand même les yeux qui pleuraient. Vous avez vu ce qu'ils sont devenus, les 68-arts? Ben oui, ils ont bien tourné. Jaune avec un petit... Voilà, donc,
Aujourd'hui, c'est un débat qui va aller beaucoup plus loin puisque c'est une tradition ancestrale et séculaire en France. On laisse répondre M. Berry. Oui, bah, je crois que vous avez raison. À ma connaissance, tous les syndicats des enseignants sont contre cette mesure qui effectivement repose sur une confusion des rôles. Je crois qu'on ne gagne rien quand on mélange tout, surtout quand il s'agit de traiter de problèmes de délinquance ou de violence qui sont souvent le fait de jeunes en petit nombre, mais qui précisément confondent tout. Mais c'est une mesure exceptionnelle, parce qu'ils ont tout fait pour cet établissement. C'est vrai, c'est pas dans tous les collèges de France. Ça a été mis en ZEP, zone d'éducation prioritaire. Ça n'a pas fonctionné. Les gens, et Nicolas Sarkozy l'a dit, est-ce normal que les élèves pleurent avant d'aller à l'école parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer? Il y a eu un truc d'acide qui a brûlé, enfin je ne sais pas quoi dans la cour. Les parents ne savent plus quoi faire parce qu'ils voient leur gamin traumatisé pour aller à l'école. Les profs ont peur. Il faut faire quelque chose. Personne dit qu'il ne faut rien faire. La question, c'est de savoir si c'est la bonne mesure. Le vrai problème, c'est l'autorité des enseignants et de la direction, le directeur, le surveillant général, etc. Ça prouve une fois de plus qu'il y a une perte d'autorité de la part des enseignants et que tout part en C'est une démission. Couille. Mais bien sûr. Effectivement, c'est un problème d'autorité. Comment va-t-on faire pour que les quelques-uns qui sont là et qui emmerdent tout le monde prennent deux coups de pied aux fesses et soient dehors? Alors, c'était quoi la solution, M. Berry? La solution, c'est de renforcer les personnels qui sont chargés justement de faire comprendre aux élèves que quand on passe le trait, quand on se trompe, il faut revenir dans une façon de pouvoir vivre tous ensemble. C'est ce qu'on appelle l'éducation, la solution. Alors, mes collègues, d'ailleurs, dans cet établissement, ont fait quelques demandes. Ils ont demandé à pouvoir, par exemple, avoir... Alors, il n'y a plus de surveillants généraux, voilà. Je vous le dis. On appelle ça des conseillers principaux d'éducation. Oui, bien sûr. Bon, ils ont demandé à avoir un conseiller principal d'éducation. En plus, c'est un gros collège, 700 élèves, c'est beaucoup. Ils ont demandé à avoir, effectivement, des personnels pour être au plus près des élèves, pour tous les élèves, mais pour ceux en particulier qui ont du mal à s'intégrer et qui ont des comportements qui peuvent être dangereux et qu'il faut prévenir. Voilà sans doute la solution. Ça veut dire donc qu'il faut donner un peu plus de budget à l'éducation nationale plutôt qu'un peu plus à la police? Oh, pas un peu plus à l'un qu'à l'autre, mais il ne faut pas oublier l'un au détriment de l'autre. C'est ce que fait un peu trop M. Sarkozy et ce que laisse faire un peu trop M. Ferry, d'ailleurs. Enfin, les problèmes, ils ne sont pas super récents non plus. Non, mais ils ne sont pas super récents si tu ne fais pas d'éducation. Et puis le pauvre flic tout seul au milieu du truc, enfin, pour pas qu'on le reconnaisse, ils vont peut-être le voiler, remarque. Mais moi, je veux bien, mais la méthode de monsieur qui est l'éducation, on est tous pour. Mais ce n'est pas vrai qu'en 24 heures ou qu'en un mois, vous allez régler ce type de problème, même si vous mettez des psychologues d'école, même si vous mettez un encadrement très au point pour les enfants qui posent problème. Aujourd'hui, il y a même dans des maternelles des enfants qui posent de graves problèmes. Moi, j'ai été convoquée l'année dernière dans la maternelle de mon fils, en maternelle, je vous parle, convoquée parce qu'il y a un gamin qui crache, qui fait le con et qui emmerde toute une classe. Avec ça, et c'est le tien. Et le prof n'arrive plus à gérer, et le directeur de l'établissement a convoqué les parents. Je ne sais pas si vous voyez, alors imaginez dans une ZEP ou dans un truc. Je vois très bien, j'imagine très bien. Voilà. Est-ce que... La seule question, c'est de savoir si un policier, lui, le malheureux ou la malheureuse, va résoudre par lui-même, par sa seule présence, toutes les difficultés que vous rencontrez. Mais pas du tout. Et je pense que ça va être exactement le contraire d'ailleurs, c'est qu'au lieu de faire respecter l'ordre, puisque c'est de ça dont il s'agit, en étant en présence, tout le temps dans l'établissement, je crains que ça ne se retourne en son contraire. Ah, mais il y a 700 personnes qui vont lui cracher sur les chaussures en rentrant dans l'école. Et qu'effectivement, on stigmatise plutôt que guérir. Comme pour la circulation routière, on en a bien vu, hein, les bons résultats de la sécurité routière, c'est aussi la peur du gendarme et la peur de l'uniforme, la peur du radar. Il y a peut-être une peur de l'uniforme, mais il se trouve que M. Sarkozy a annoncé que le policier en question qui serait présent dans ce collège, justement, ne porterait pas d'uniforme de façon à ce qu'on ne le repère pas. Je pense aussi qu'il ne faut surtout pas aller sur un terrain où on considérait que l'école doit abandonner sa mission d'éducation. Je crois que c'est très grave. Pour la suite des choses, on doit donner confiance à la jeunesse. Et ça ne se règle pas uniquement par un problème de répression, mais par un dialogue qu'il faut nouer avec tous nos élèves. Parfait. Monsieur Luc Berry, secrétaire général d'un syndicat enseignant, le SEUNS. Ah, pardon, c'est dur à dire. Cette semaine est sorti ce DVD, Passy, 30 ans chrono. Un DVD qui est en fait un documentaire de 58 minutes précises, avec quelques clips aussi, retraçant la vie et la carrière du rappeur Passy. Le DVD débute sur l'enfance de Passy, évoqué par les amis de son quartier et ses complices de toujours, comme évidemment la star Tommy Bugsy, pour en arriver à aujourd'hui, c'est-à-dire l'enregistrement de son nouvel album, Odyssée, qui sortira au mois de mars prochain. Dans 30 ans chrono, il y a aussi des témoignages, dont un assez inattendu, celui de Dominique Strauss-Kahn, fan de Passy, paraît-il. Il faut dire que c'est le seul rappeur qui
à un nom de quartier chic. Nous allons tester ensemble le DVD et la VHS Passy 30 ans chrono avec Passy que voici. Je ne connais pas très bien, je connais quelques tubes évidemment, je zappe et je mate, ça on connaît tous. Puis l'été dernier, surtout, on a beaucoup dansé sur cette chanson avec les membres du groupe Cassav. C'était comment déjà ? Laisse parler les gens. Ah, c'est ça. Hein. Mm-hmm. Mais alors ça, je trouvais que ça changeait totalement de ce que vous faisiez avant, non ? Ça change, mais je me suis dit qu'avec le label qu'on a monté depuis 5 ans, on pouvait se permettre d'aller travailler d'autres styles musicaux. Je viens de l'univers rap, mais je suis influencé par plein de styles musicaux. C'est dingue, ce talent que vous avez, vous en particulier, c'est que Passy, il arrive à faire des alliances avec d'autres personnes qui ont d'autres styles. Il mélange le tout, ça fait un check-up et c'est extraordinaire. C'est un mélange de deux styles, un cocktail si tu préfères, et ça fait un truc génial. Un ketchup alors, vous allez dire. Un extrait du DVD, Passy 30 ans chrono. En le mix, 79, voici Passy dans la vague pour Paris. Ma famille est nombreuse, à Babylone on atterrit. Au pays, la vie est rude, voyage est donc le prélude. À l'épisode, Negasar s'est venu pour faire ses études. Et puis après, il faut s'adapter maintenant, et c'est là où c'est le plus dur. Et le petit appartement, hein, tout le monde était tassé là-dessus, les uns sur les autres, une chambre pour tous les garçons, une chambre pour toutes les filles, et papa et maman se débrouillent comme ils peuvent. C'était les jours heureux pour un petit Renoir fougueux. Il avait un groupuscule, on va dire, de potes à lui avec qui il était tout le temps, et on pouvait pas le rater. On vient tous de la même ville, on vient pas de Paris, on vient de Guerre-Charcelles. C'est dans la banlieue nord de Paris. Ah, ça c'est quand on était jeunes, ça c'est en 91. Là, c'est le collège où on était avec Adé, Stomy, c'est Chantraine. Passy, 30 ans chrono, alors c'est marrant ce DVD parce qu'on se dit, c'est très bien foutu et on se dit, tiens, sûrement Paul Amar n'a pas voulu l'inviter dans Recto Verso ou Laurent Boyer dans Fréquence Star, alors il s'est dit, je vais faire ça moi-même. Non, c'est parce que j'aime les DVD. Je me suis souvent promené avec une caméra, j'adore tout ce qui est image. Bah, alors donc, effectivement, on récupère des témoignages de copains, enfin de copains ou de personnes proches. Alors, Strauss-Kahn, c'est vraiment un ami? Strauss-Kahn, c'est le 95 un peu. Il était maire de Sarcelles, c'est quelqu'un de très important dans notre région. Et c'est quelqu'un qui a suivi un peu notre évolution. Et j'étais assez content qu'il dise deux mots dans ce DVD-là. Et Anne Sinclair aussi, elle est à Sarcelles de temps en temps? C'est sa femme, hein, donc elle le suit. Ils sont dans quel tour? Jean-Bernard Reybet. Moi, j'ai trouvé ça absolument formidable. Je ne connaissais pas du tout. Mais ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'il s'était complètement libéré, lui et ses potes, de l'emprise américaine. Il revendique complètement ses origines, que ce soit Sarcelles ou que ce soit le Congo-Brazzaville, sa famille, ses potes. Et il l'exprime d'une façon extrêmement fière, mais sans arrogance. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'univers rap, c'est sans doute ce qu'il y a de plus subtil à regarder dans le rap français. Merci. Écoutez, alors, Elsa Fayer, crois qu'elle a aimé elle aussi. Moi, je suis très fan. Moi, je suis très fan de Passy depuis très longtemps. Et j'ai été très contente de découvrir ce DVD parce que je me suis souvenue à quel point j'avais aimé votre premier album, Tentation. Je trouve que par rapport aux autres rappeurs d'aujourd'hui, les rappeurs dits commerciaux, voilà, vous faites la différence, ça n'a rien à voir. Les textes sont tellement bons, ils sont tellement puissants. Même si on n'appartient pas à votre milieu, même si on n'est pas de vos quartiers, on se retrouve quelque part. Il faut le conseiller à tous les jeunes qui sont dans des situations peut-être un petit peu difficiles. Je trouve que vous êtes un exemple, vous et tous vos potes du secteur A. Et tout ce que vous faites aussi pour l'Afrique. Enfin, c'est un beau challenge et vous avez relevé le défi avec brio, alors félicitations. Merci. Qu'est-ce qu'elle parle bien, Elsa, hein? Donc, on va finir par l'engager, hein. Claude Sarraute. Ben moi, je te dirais pas que je suis... Moi, je date de Léo Ferré, tu comprends, mon petit garçon. Mais il aime bien Aznavour, ça va, c'est votre génération. Oui, oui, moi aussi. Mais enfin, ça m'a frappé quand même. Non seulement ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu... Comment t'appelles ça, un DVD? Un DVD, Claude. J'ai trouvé ça formidable, vraiment. Ah oui. Mais vous l'avez mis où, alors, pour le regarder? Ici. Dans le frigo. Non, là. Ici. À la production. À la production, parce que moi, j'ai pas de machine pour mettre... Vous avez réussi à le mettre? Oui. Ah ben non, on me l'a mis. Mais ce que je trouve formidable, c'est toutes les déclarations que j'ai pu lire. J'ai l'impression que tu insuffles, par ton exemple, une énergie, une façon de s'en tirer,
tout le temps à chercher, à trouver, à imaginer des choses, à faire des musiques, je trouve ça formidable. Je pense que c'est le meilleur message qu'on puisse donner aux gens de quartier, aux gens ou même jusqu'en Afrique, c'est un peu les mêmes problèmes. On est dans un monde plein d'inégalités, il y a des préjugés, du racisme, mais après on fait quoi? Enfin, j'essaie de faire passer ce message-là dans tout ce que je fais. C'est tu veux quelque chose, tu te lèves, tu te bats pour y aller. Donc tu peux te battre en allant à l'école, tu peux te battre en travaillant, tu peux te battre en allant, en trouvant les ficelles qu'il faut, en ayant les bons contacts. Mais c'est tenir les murs, je pense que ça ne changera pas grand-chose. À l'évêque. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre et de voir un chanteur avec un cerveau. Le rap s'est quand même beaucoup inspiré, enfin même plus que ça, de tous les problèmes qu'il y a en banlieue. C'est-à-dire, est-ce que c'est avec la dénonciation qu'on fait du business ou est-ce que on se sert du business pour dénoncer? La marge est quand même... Ouais. Moi, je pense que c'est un tout. Hein. Je pense qu'arrive un moment, quand tu fais un disque et tu mets un code barre et que tu le mets dans les bacs, ça finit par devenir un business quand même. Et justement, on a ce problème-là dans le rap français, de ne pas savoir où se trouve la limite. Donc, quand on marche, on devient vendu, même si tu te bats pour un message, pour une cause juste. Et quand tu ne marches pas, tu te mets à crier, tu te dis, oh, les autres, ils vendent, c'est commercial. T'en rajoutes. Voilà, t'en rajoutes. Donc, je pense que non. Quand tu fais un disque, tu mets un code barbe, il y a un côté business, il faut qu'on arrive à se le mettre en tête. Justement, moi, je voulais vous demander, est-ce que quand même, au bout d'un moment, quand on a du succès, autant d'années de succès, comme vous, on ne s'assagit pas? Est-ce que finalement, parce que je m'aperçois qu'au début de votre carrière, vous avez eu les mêmes ennuis qu'ont eu tout récemment le groupe Sniper, on le sait, alors ça s'est un peu calmé, heureusement, cette affaire-là. Disons enfin, que... En gros, est-ce que vous votez Sarkozy? Non, je ne vote pas Sarkozy, mais disons que quand tu es artiste, ça c'est le côté artistique qui a pris le pas. On a eu beaucoup de galères dès nos débuts avec Ministère Amer, interdit de concert, interdit de plainte de la police, plainte de ci, plainte de ça. Il y a un moment où quand même on fait de la musique, où on écrit des textes, et un moment où on a envie de rencontrer ce public, on a envie de faire passer le message, on a envie de chanter, on a envie de faire des concerts, de tourner, etc. Et il fallait qu'on fasse le pas. Donc on a créé Secteur A, on a fait découvrir Doc Gynéco qui a explosé, après Stomy, après Charlie. Ah, il est souvent explosé d'ailleurs, on l'a vu encore hier. Il est toujours explosé. C'est lui. Et puis bon, on a eu besoin justement de prouver qu'on était capable d'y arriver. Parce que notre message depuis Ministère Amer, on se disait, ben, on vise le haut, c'est pas parce qu'on vient de banlieue, c'est pas parce qu'on vient d'Afrique qu'on va pas pouvoir justement atteindre, toucher ses rêves. Donc on s'est battu à chaque fois pour atteindre ses rêves. Parfait. Passy, 30 ans chrono, vous restez avec nous, le temps du tac à finir. Rocco Siffredi, dont vous avez vu certains films. Ah, yes. Il est à l'affiche aujourd'hui d'un film signé Catherine Breillat et il dit de la réalisatrice, je suis sûr à 100% je sais. Que Catherine Breillat veut coucher avec moi. Envie de moi. Envie de moi, veut coucher avec moi. Bravo Claude. Jean Tiberi, ex-maire de Paris, qui déclare « J'ai été député, membre du gouvernement, maire de Paris, être... » Président de la République. Non, m'aurait comblé. Soyons raisonnables, je ne peux pas y prétendre. Être chevalier de la confrérie des casseroles. Animateur télé. Animateur télé, pas du tout. Être intelligent. Normalement, il faut être intelligent. Tiens, ce que je peux vous dire... Académicien. Être auteur. Académicien français, bravo, Claude Sarraute. Être de l'Académie française. Alors, c'est la retraite de tout le monde. De l'Académie française. Mais il ne doute de rien, remarquez, si l'autre a pu y aller. Non, non, il dit, mais soyons raisonnables, je ne peux pas y prétendre. Mais il pense quand même. Tu savais le nombre de gens qui y pensent, tu serais épaté. Déjà, autour de cette table, regardez, Stevie, il a déjà le costume. Moi, je n'ai même pas le titre, j'ai juste la veste. Un jour, il finira à pape, rien que pour avoir la robe. Allez, on va remercier Passy, 30 ans chrono, c'est son DVD. Son album sortira en mars et on entend actuellement sur les radios « Reviens dans ma vie ». Merci à vous, Passy. Merci. Ciao. Bye bye, à demain.